les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play de Rise of the Tomb Raider. Et on va quitter ce bon petit feu de camp où on avait quand même... voilà, c'était plutôt agréable, c'était plutôt sympathique ce qu'elle avait fait. Et maintenant, ben, on part voilà, hein, en mode... ça y est, donc appuyez sur RT quand vous visez pour décocher les flèches. Des flèches silencieuses, maintenez RT pour charger le tir et infliger plus de dégâts, c'est logique. Jusque là on comprend un peu le raisonnement. Alors on va se balader, on va y aller tranquillement. On va voir, il va y avoir des choses à trouver. Sans doute, il y a un cerf, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, le pauvre, hein? Il court en plus, est-ce qu'on a besoin de les chasser? Je ne sais pas. S'il n'y a pas besoin de les tuer, moi je vais pas essayer de les chasser, les pauvres. Ces ruines, elles sont d'origine mongole. D'accord. On est évidemment en Sibérie, hein, on reprend après, vous savez, quand on a pris... Les Trinitaires, ils sont déjà là. On avait été, si vous vous rappelez... Commandement, vous me recevez? Ils vont pas me laisser parler. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé? On peut passer par là. Est-ce qu'on peut... Voilà. Regardez comment on escalade bien. Elle est douée, elle, Lara. Oui, donc on repart, vous savez, on avait été... on avait été chopé dans... dans une style d'avalanche. Ok, la neige... La grosse neige nous ralentit. Est-ce qu'on peut se mettre à... genre accroupi? Non, ça c'est pour se mettre... Ça, ah, ça c'est le... Cool, okay. Bon, on va voir. Ah bah elle se met automatiquement là. On a perdu le contact avec l'équipe de recherche sur la côte sud. Ah. Leur dernière transmission a été émise des ruines mongoles. Préparez-vous et attendez. Oh là. Bonjour monsieur. Ça va? Et est-ce qu'il va... Allez, bah, je crois qu'il va falloir courir. Allez. Allez Lara. Hop là. Allez, 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 allez. C'est pour ça qu'ils nous ont prévenu que... fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils nous ont prévenu qu'il fallait pas passer dans la neige trop profonde, en fait, de la grosse poudreuse, parce que sinon ben, on allait être trop ralenti. Donc il fallait passer à droite là. Hop. Voilà, ça y est, on finit par comprendre. Hop, un coup de piolet, ça fait toujours du bien. Là, faut en faire d'autres. Attends. Ah, méchante bête. Méchant, méchant, méchant. Je croyais que ça allait nous montrer la touche à appuyer, en fait, mais non, je pense qu'il fallait appuyer sur B pour esquiver. Ok, bon, on va beaucoup fail, je sens, mais c'est là. Ah, là, ça nous prévient, cette fois. Tout va bien, tout va bien. Aïe. Ça y est, Lara, on reprend, on prend déjà des coups dans tous les sens. C'est pas Tomb Raider pour rien, la pauvre. C'est Lara quand elle était petite, je pense. Lara, toujours pas décidé à entrer par la porte, hein? Mais ça va plus vite par là, papa. Viens par là, espèce de petit singe. Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure? Oui, la plus importante de toutes. À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante. Oh, tiens donc. Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante. Mais ce travail est beaucoup trop dangereux. Lara, écoute. Je pense qu'un jour tu marqueras le monde de ton empreinte. Ah oui, plus que toi. Je serai le même fier de tous les papas. Ça, Lara sera plus connue, plus réputée que son père. Ok, bon, on voit des petits passages comme ça, des bribes de souvenirs. Oh. Allez, je sais même pas combien on a de flèches. Pour cette blessure. D'accord. Ressources de santé, récupérer des herbes et du tissu. Ces feuilles devraient arrêter le saignement. Où tu vois des feuilles, hein? Attends. Ça. Hop. Il faut de quoi faire un bandage. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'on peut récupérer autre chose? Non. Hop. Donc on appuie sur le... Attendez, là il y a quelque chose. Ah, non. Ah, j'ai cru, je pensais que cette boîte on pouvait l'ouvrir, mais non. Allez, on va encore récupérer des petites...
portefeuille. Les installations datant de la guerre froide. Ah. Qu'est-ce que les trinitaires mijotent là-dedans? Maintenez le B pour soigner. Voilà. Ça y est, elle est en pleine forme. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. D'accord. Je vais devoir affronter cet ours. Ah non! Bien sûr. Ouais, va falloir. On va pas passer par là. Alors attendez, par où il faut qu'on passe? Parce qu'elle regardait par là-bas. Mais. Suis-je si bête que ça? Je vois pas. Il faut pas sauter par là. Attendez, on peut monter vers. On peut monter. Ah, mais dans l'autre sens. Là d'où on vient. Allez. Je pense que c'est par là. Voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'on va sans doute retrouver l'ours qui nous aimait pas trop. Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfait pour faire du poison. D'accord. D'accord, il va falloir faire genre des flèches empoisonnées pour affronter cet ours, je pense. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des petits champignons? Non. Allez. On va remonter. Hop. Ça va, double piolet, elle te les sort comme ça et tchac, elle te les accroche. Efficace la petite là. D'accord, utilisez les matériaux pour améliorer votre. Ouais. Ok. On va passer. Voilà. On va pas chasser la pauvre biche. Qui est là, qui a rien demandé à personne. On voit des biches partout, mais on n'est pas des petits lapins. Je pense qu'on peut passer par là. Comme je vous l'ai dit, on va des fois se perdre, des fois galérer sur des. Oula. Calme-toi mamie, on va galérer sur un. Je dirais qu'il faut passer par là. Mais je ne suis. Non. Ah non. Faut entrer dans cette grotte. Allez. Okay. Autant pour moi. Peut-être qu'on va ramasser ça. Ça peut permettre de faire des flèches peut-être. Je sais pas trop encore. Du bois pour améliorer les armes sur les feux de camp et fabriquer des flèches. C'est ce que je pensais. Je sais pas combien on a de flèches. Mais là, t'as encore des poissons. Des champignons. Voilà. Bon, en tout cas, on a assez de champignons maintenant, je pense. Parce que pour affronter. Qu'est-ce que c'est ça? Minerai de magnésie. Tu utilises les minerais de magnésie. Des munitions spéciales explosives. Ok. C'est pas brûlé ça par hasard? Non. Peut-être pas, peut-être pas. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Voilà, mes frères ont toujours été pareil, vous pouvez mettre pause pour lire. Mais j'avoue que j'ai pas. Oh là là. C'est pas dans Tomb Raider là les sirènes. C'est juste des gens qui. Des policiers qui ont pas envie de. D'attendre les bouchons. Alors, on est censé passer par. Par là en tout cas. Attendez. On va finir par trouver. Un peu plus vite. Ok, ça y est, on apprend un peu aussi les touches petit à petit. C'est pas cette grotte alors le. Je sais pas. Je sais pas, on est un peu. Non. Ok, c'était pour qu'on trouve des. Ah non, on a ce qu'il faut en fait, et maintenant ça nous dit d'aller dans un feu de camp peut-être, le feu de camp où on était au début. Non, c'est un autre feu de camp. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas du tout ça, je vous dis n'importe quoi. Attendez, on va prendre ça. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. On peut pas le lire. Je vais retourner au campement, voir ce que je peux faire. Ok. Donc on aille au campement, qui est. Par là-bas. C'est pratique ça quand même pour pas se perdre parce que sinon dans cette forêt sibérienne en pleine nuit on va dire que on galérerait un peu. Tirer sur les nids dans les arbres pour obtenir des plumes. On verra, on y pensera. Ok, toutes les biches se sont venues. Oui, il y a le feu de bois là, vous êtes à l'aise là. Voilà. Mais on revient au point de départ. Alors, voyons voir. Faut des fabriquer, hein. Aller dans le menu inventaire. Très bien. Munitions.
Et c'est là. D'accord, flèche silencieuse. Et il nous faut des plumes. On en a 12 sur 25, on a que 12. Ça y est, bon. On peut en posséder que 2 des munitions. Bon, on a ce qu'il faut. Je pense qu'on peut s'en aller. On va aller dans ce feutre pour faire ça. Il faut que je me repose. Je suis gelée. Ah, ma pauvre petite Lara. On va se reposer. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation? Ne vous avisez pas de me menacer, après tout ce que j'ai fait pour... Allô? Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Imbécile! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour... Tu comprendras. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre! J'ai juste envie que tout ça s'arrête! Et que tu redeviennes mon papa. Tout mignon, c'est triste. Des coups de feu. Bon, nous on a qu'un arc. Hein. Allez, on les tient. Allez, elle se défend bien à l'arc. Ah. T'arrêtes pas, cours. Ok, sois énervé je crois. Bon, alors là c'est vrai que le feu c'est pas discret. Parce qu'on a notre petit feu de camp tranquille. Niveau discrétion on passera ça, elle s'est cachée. Alors, Lara avait entendu le coup de feu. Mais non, elle est plus là. On peut faire du corps à corps à distance. Ah ben. Le feu est encore chaud. Ah ben, ils sont pas loin. À vous. On peut l'avoir là comme ça. Attention, on saute. La saison est mauvaise. Ils ne reviennent pas. Il faut qu'on les retrouve avant de faire venir un autre raid. Mais bon. On l'a eu. Hop. On a récupéré des petits trucs. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. En plus, il y a nos flèches là. Mais apparemment, ils se sont reculés. Notre objectif principal est. Mais bon. Tout va bien, tout va bien. Pas de panique. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? Attends. Voilà, on sait jamais. Des flèches. Voilà. On est à combien de flèches? On peut le voir. Flèche à nuages empoisonnés. Appuyez sur RB quand vous visez les nuages empoisonnés. Mettre à terre et tout aussi les nains ennemis. Ouais. D'accord. Faufilez-vous dans la grotte ou battez-vous contre les trinitaires pour... pourrait pas revenir. Ok. Après on n'a pas vraiment peur des trinitaires. Hein. Ce sont de... Merde. Attendez. Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient qu'on allait se lancer en course. Hop. Dans la tête. On va récupérer les flèches parce qu'on en a pas des tonnes. Et ramasser ça. Voilà. Alors, le problème c'est qu'il a des amis là-bas. Mais si on l'a, pas bouger, pas bouger. Oh là là, et moi je joue à la manette. Ah, je l'ai raté. Mais ah, elle peut pas, elle arrive pas à garder en fait, elle a pas assez de force. Je rate toutes mes balles. On dirait. Oh là 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 là. C'est bon, on l'a eu quand même. Au bout de... Oh, c'est fail. On a un là. On a un là-bas. Je serais tenté de s'adapter. On l'a eu. Lui. C'est bon. On a gagné un point de compétence en plus. Par contre, on prendra toujours le temps hein, de ramasser, de lire les trucs. Ça ressemble à... du Mongol.
Et ce qu'ils disent reste un mystère. D'accord. Voilà, le but quand même... essayer de comprendre un peu l'histoire. Hop. On se prépare. J'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Bon, toujours pareil, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez lire. C'est histoire de. En fait, c'est histoire de garder une certaine fluidité dans le let's play. On l'a eu, ça va. Pour l'instant, on one shot, mais je pense que tous les ennemis, ça sera pas le cas de mémoire. Donc voilà. Pour l'instant, ça va. Il y avait quelque chose. Cache de surintérêt contient différents. D'accord. Ok. Intéressant. À toutes les équipes, ouvrez bien l'œil. Les natifs ont posé des pièges dans les bois. Alors là, on va dans la grotte. Mais on a. Ah, on a deux. Ouais, mais on n'a pas des flèches enflammées, on est d'accord. Non ? Attendez, où on va là ? On va par là. On peut passer ? Non, on peut pas passer, je fais n'importe quoi. J'essaie de comprendre, je sais même pas vers où il faut aller. Essayer, on est en train de se perdre. Par où on est censé passer? On va aller ramasser cette caisse là qu'on a vu. Une couronne d'un des princes de Kiev. Fouillez pour trouver des informations. Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Non, j'aurais pensé que les informations cachées elles étaient là. Alors ça vibre un peu quand quelqu'un la portait quand il s'est fait tuer. Ah d'accord, parce qu'il fallait voir qu'il y avait un. Ok. Alors, bon, si on trouvait où il faut aller, ça serait bien, n'est-ce pas? Là, ça nous dit, vous voyez, c'est genre le point, c'est par là, mais c'est de l'à peu près, si vous voulez. On n'est pas guidé non plus à fond. Donc il faut essayer de. Ah bah par là. Attendez. Ah bah la discrétion, on repassera. En fait, c'est par où on est passé bah, tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir de nouveau l'ours? Ah ouais. Alors, fallait que je dise ça. Il est encore là, lui. Neutraliser l'ours. On se cache. Ah oh là là, il faut qu'on passe par là. Bon, mais oui. Et se mettre en hauteur, ça peut pas être cool? Je sais pas, je réfléchis. On va prendre l'arc. Piti piti, t'es par là? Un peu serré pour se battre. C'est vrai. Mieux vaut la tirer dehors. D'accord, avec les flèches empoisonnées, c'est ça? Qu'on fait? Bon cours? Il va arriver, il va arriver les gars. Allez, 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 encore, 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 encore. Il va arriver, il va arriver. Je peux pas charger trop mon arc de trop longtemps avant en fait parce que. Vas-y, vas-y. Oh. Bon, ma roulade est ratée. J'aurais dû essayer de grimper. Solide. On a réussi à esquiver pour une fois. Oui. Ah. Donc on a plus les trucs pour lui. Ça va le faire, ça va le faire, ça va peut-être être un peu long. Je suis pas sûr. On l'a eu. Le pauvre. Hein. Après, il était un peu hargneux cet ours. Utilise la peau de l'ours pour fabriquer des équipements améliorés, des tenues spéciales, des armes. Ok. Le pauvre. C'est par là? Ouais, faut qu'on aille par là.
Est-ce qu'on a assez de flash, 18 flèches, on a plus de flèches empoisonnées par contre. Ça c'est dommage. Allez, on y va, on continue d'avancer. Il était en train de dévorer une petite biche. Il y a un coffre là. Qu'est-ce que c'est ? Pièces de pistolet semi-automatique, une sur 4. Ok, forcer les coffres forts pour découvrir des pièces d'armes et des outils. Ah. Ok, intéressant. Ça pourrait nous servir. Le prophète et ses fidèles voyageurs. Je récupère toujours pour histoire de pouvoir lire à la suite. Nous, on vient de là. J'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait casser ce mur. Bravo! Bravo le Geekman! Bon. Alors. Emprunter le chemin suivi par les Mongols et chercher les trésors cités par. C'est joli aussi là dans ce truc de glace. Faut qu'on saute. On y va. Ouais, je m'y attendais à celle-là. Hop là. Ah bah ça va. Pas de soucis. Tout va bien. On passe par là. Oui, déjà il y aura plus l'ours qui va venir nous embêter normalement. Normalement. Merde, ça va être froid. Ah oui, s'il faut plonger dans cette eau, ça va être froid. C'est peu de le dire. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Ok. Allez, va falloir qu'on plonge alors, c'est ça? Bah zoom, hein. Hop. Allez. Je me souviens plus pour plonger. Ah ben voilà. Je me souvenais plus de la touche pour plonger. Alors B de mémoire, ouais, B pour nager plus vite. Un petit feu de camp, peut-être on a un point de compétence, j'ai vu à utiliser deux points de compétence. Chasseur, qu'est-ce que c'est? Vous avez une chance de récupérer vos flèches sur les ennemis tués à l'arc lorsque vous les fouillez. Ça peut être sympathique. Reste, le temps de viser stabilisé augmente. Ouais. Ah, ça c'est bien quand même. Je pense que ça peut être pratique. Récupérer, ouais. En fuite, fabriquer des projectiles, plein des ennemis par des objets. On regarde vite fait comme ça. Hein. Trouver les objets. Non. Je pense qu'on va prendre un truc de castagne. Les explosions et le feu vous infligent beaucoup moins de dégâts. Ça peut être pas mal. Esquive qu'on a. Maintenez les ennemis sans. Mettez les ennemis sans armure à terre pendant une esquive en appuyant sur la touche Y au bon moment. Et tu es efficace les ressources des ennemis. Je pense que ça peut être bien. Voilà, on va prendre ça. Parce que au corps à corps, ça peut quand même relativement bien nous servir. Amélioration disponible. Est-ce qu'on peut améliorer l'arc? On a de quoi l'améliorer. On peut lui faire un truc. Temps de charge. Ok, ça peut être bien pour qu'il soit plus vite tendu fort pour faire des dégâts. Ça peut être assez pratique. Tout de même. On va s'arrêter là au niveau des tenues. Pour l'instant on va garder la même. On changera peut-être au fil de l'aventure, mais on va essayer de la jouer roleplay. On va rester voilà, on a besoin de d'être bien réchauffé. Munitions, est-ce qu'on a assez de flèches? On peut en faire plus. Créer, voir. Ouais, c'est, oh, il a 5 d'un coup, d'accord. Bon, oh, allez, on va y aller. Assez de temps dans les menus. Le but est de vous proposer une aventure assez fluide. Défi tombeau facultatif à proximité. Explorer le site, retrouver l'endroit. Alors les tombeaux facultatifs, on les fera quand on les verra quand même. Quand on pourra les trouver de façon pas trop galère, mais ouais.
c'est quand même un des trucs assez cool à faire. Une galère de guerre byzantine. Ah ouais, un bateau là. Comment est-elle arrivée là? Ma foi, pourquoi pas. Alors il y a des trucs assez incroyables. Nous, il va falloir qu'on passe là. Allez, c'est parti pour la galère, peut-être. C'est mongol. Mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. D'accord. Résolve les anciens mystères à Dieu pour gagner des récompenses. Anciens mystères pour... qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'on peut sauter là en face? Alors sinon on peut monter par là, mais je me demande si on peut pas essayer de jump là en face. Ça me paraît loin, hein. Ça me paraît très loin, mais... Non, ça va. Elle est douée, elle. Parce que, ça, je sais pas, moi, ça me paraissait assez loin. Mais bon. Avec Lara, tout est possible. Tiens, défi de... D'accord. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Bon, on va essayer de se le faire, ce petit tombeau. Donc déjà, hop, faut sauter par là, mais je... Je sais pas si ça va pas... Non, ça va, ça bouge pas. Ça bouge pas, il faut réussir à aller là-haut. On est sur le navire, hein, le mât, regardez, en fait, on est sur le mât. Et dans l'autre sens du navire, ce qui est assez stylé. C'est même très stylé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attendez. Voilà. Ok, on a fait tomber un... Je ne sais quoi. C'est pas l'ancre? Je pense pas. Quoique. Le Maria Adula est perdu. Ok. Ok, ok. Il y avait autre chose encore à ramasser. Ah, des poissons. Des champignons. J'ai arrêté de dire des poissons, des champignons. Des champignons. Il faut la casser. Il faut la casser, cette glace, je pense. Pour pouvoir avancer. Et pour la casser. Faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Là aussi, d'ailleurs. Ah ah. On va la bloquer. Ça commence bien. On peut monter là. On peut monter là. Voilà, on sera des fois coincé beaucoup plus que ça. Hein. Je vous préviens au cas où. Je pense qu'on peut l'atteindre. Voilà. Ah. Oui, ça a marché. Oui, on a cassé la glace, c'est ça. C'était l'objectif. Nickel. Et là on peut monter. Alors on a vu qu'il y avait de la glace à casser de l'autre côté. Elle est sacrée mon dieu. Je regardais si on pouvait partir à quoi. Je fonctionne pas non. On monte toujours là sur le navire. Ah ça. Ça il doit falloir s'en servir. Mais alors de quelle manière? Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire, mais c'est pas ici. C'est pas ici pour l'instant. Je trouve pas. Est-ce que vous avez une idée, les gars? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer sur quelque chose? On peut monter encore? Ah, attendez. Non, on peut pas monter. Attends, mais ok. On peut faire tourner ça? Ah, attendez. Voilà. Ah, LS. Ok. Voilà, il faut le mettre à hauteur. D'accord. Ça va remonter tout seul quand on va le lâcher, c'est ça? Il faut l'attraper au vol? Ouais, ah c'est bon, c'est resté à hauteur, on peut l'attraper. Boum. Et voilà, on a cassé la glace de l'autre côté. Parfait. C'est bon. On super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ah, on va essayer d'aller voir. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a. Après ça va aider que je l'ai déjà fait une fois, même si à un moment. Je vais être bloqué de temps en temps, hein, clairement, c'est évident. Mais peut-être pas pendant, pendant des plombes et des plombes. Enfin, j'espère, je touche du bois. Me connaissant, je suis capable de rester.
Oh là, oh là. On se calme, on se calme, on va vite se dépêcher d'aller de l'autre côté. Hop. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Et on a atteint le sommet du tombeau. Ça alors. Pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux? Ah, bonne question. Et un premier tombeau. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. D'accord. Nouvelle compétence maîtrisée, compétence ancienne. Compétence ancienne, tirer rapidement deux flèches successivement sans avoir à recourir au carquois. Effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur RT et en relâchant après avoir tiré la première flèche. Attendez, j'essaie de comprendre. Effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur RT. Bon, on verra un jeu, hein. On verra un jeu. Là, normalement, il... Ah ouais, c'est bon. Allez, zou. On peut redescendre. Hop là. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Et voyez, on aurait pu aller directement tout droit, là. Monter, vous voyez. Et ne pas essayer d'aller là-haut. Mais bon, voilà. C'est un petit truc. Donc, on les fera pas tous. Hein. Enfin, je sais plus si je les avais fait tous. Je les avais peut-être fait tous, dans le... La première fois que je l'ai fait le jeu, mais voilà, on va peut-être passer à côté, pas tous les trouver, voilà. Mais quand on les voit, quand on les trouve, ben, on se les fera. Même s'il y en a, ça va devenir vraiment galère de mémoire. Pas toujours très simple à trouver. Je sais pas à quoi sert ces pièces. C'est joli, hein, cette glace comme ça. Bon, après, quand t'as plongé dans l'eau, la pauvre Lara, comme ça, comme elle, c'est moins joli, là. Allez. L'eau là elle est à zéro. Nage plus rapide maintenant, mais oui. Faut essayer de trouver peut-être de l'air là. Il y en a. Non. Ouais, on va se dépêcher. Non mais je. Ah ben voilà, je regarde. J'étais en mode lila lila. Je regardais pas, enfin. Je me dépêchais pas. Il faut se dépêcher, je crois. Il faut trouver des bulles d'air, peut-être, je sais pas comment ça marche. Je recommençais à être tranquille. Voilà, oh là 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 là. Bon, je suis un peu crétin. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, pas trop. J'adore le bruit des pas dans la neige. Et vraiment. On va pouvoir sortir de la grotte, je crois. Complexe soviétique. Ah oui, bon, il va falloir qu'on aille là-dedans de mémoire, je crois. Là-bas. On a trouvé un petit feu de camp, donc c'est parfait. Ah ben c'est... Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venu faire quelque chose d'important. Je suis sûre qu'eux aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Il est où? Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que... Ah, elle a fui. Tel Batman. On va continuer encore un peu. Et oui, y a des ils gens sont qui installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. On écoute ce qu'elle dit un peu. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas détonné à l'époque de l'Empire byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine? Je ne sais pas, Lara.
Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour les découvrir. De quitter le feu de camp, en fait. J'ai peur qu'ils courent un grand danger, qui qu'ils soient. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. Espérons. Est-ce qu'on va faire des amis, je ne sais pas. Allez, c'est bon, on peut y aller. Résumé de la région, oui, il y a plein de trucs à faire. Mais bon, comme je vous ai dit, on va pas être à la course aux objectifs à 200%. Le but, c'est de faire l'histoire. Voilà, en se faisant plaisir. J'allais dire, je croyais, parce qu'en fait, il y a une style de petit son de cloche quand on approche des tombeaux, je crois. Mais c'était peut-être dans l'ancien trailer. Je sais plus. Je ne sais plus trop. Fabrication, maintenez RT pour fabriquer des flèches à l'aide du bois et des plumes. Ok, c'est bon à savoir. Hop. On récupère un peu de bois. Ouais, c'était du bois. On dirait qu'on récupère les feuilles plutôt, mais non, c'est du bois. Parce que regardez. Allez. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Qu'est-ce que c'est ça? À tout. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour ça. Unité, voilà nos ordres. Constantin a quitté la prison. Il y a des ennemis, je crois. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Putain, il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison. Toi, tu te tais. On aurait pu essayer de se le faire au corps à corps, mais bon. Objet de diversion. Les objets utilisés peuvent attirer nombreux ennemis. D'accord. Ah oui, du genre ces bouteilles. Hein. C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache. Si on le lâche là-bas, du genre. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Ils s'en foutent. Hein. Qu'est-ce que c'était? On l'a eu, on l'a eu. On peut pas ramasser leurs armes, malheureusement. Il va falloir créer, je pense. On va tomber sur des trucs. Pour l'instant, on peut pas ramasser leurs armes. On fait tout à l'arc. Faut faire avec, pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, après on aura d'autres armes, même si l'arc, moi j'aime bien l'upgrade à fond parce que je trouve ça assez stylé. Mais je pense que je suis pas le seul à bien aimer l'arc, parce que c'est vrai que c'est une arme qui est à chaque fois assez appréciée dans les jeux vidéo. Depuis pas mal d'années maintenant. Ce qui est pas mal proposé. Hein. Examiner la zone d'atterrissage de l'hélicoptère. Très bien, très bien. Donc il a atterri par là-bas. On peut sauter ou pas? Ouais, je pense. Mais je sais pas. Ouais. Allez. En tout cas, c'est pas une jambe. Ça va. Attendez. Vers ça, mais je sais pas trop quoi. Vite, vite. Et ils sont quand même nombreux là. Hein. Ils sont quand même nombreux. Ouais, ils sont vraiment nombreux. De Constantin. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Je devrais pas vous le dire. Ils ont capturé un natif vivant pour pouvoir l'interroger. D'accord, donc lui en fait. Commandement de sûrement savoir ce qu'ils ont réussi à tirer. Ça, personne l'a vu les gars. Pas de bruit. Hop, on va aller par là. Occupez-vous d'abord des balles réelles et séparez les rations. Pas de bruit. C'est passé pour l'instant. On va se rater hein, au moins un autre. Je vous préviens, voilà, histoire que. Hein. Mais le truc, plus j'en ai l'élimine. En fait, quand ils sont jaunes comme ça, on sait qu'ils. Ils se font pas repérer, en tout cas pas de suite par leurs alliés. Par d'autres ennemis à nous. Donc on avance. Je récupère un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Mais plus j'en élimine avant de me faire choper, mieux ça devrait se passer parce qu'il n'y a pas trop d'ennemis. On entend marcher mais c'est au-dessus, je pense. Alors. Passer par là. Il y a un ennemi là à l'étage, hein. Je sais pas exactement où il est. On peut essayer de se le faire au corps à corps. Mais ils ont l'air deux parce que ils parlent. Ils connaissent bien la configuration du site. Non, ils parlent. C'était censé être une opération de routine. Ils commencent à nous voir. Toi, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous viser avec un arc. Hein. Trop tard. Trop tard, mon petit. Ah, il y a un coffre.
voit ça. Pièce de pistolet semi-automatique, 2 sur 4 trouvées. Et c'est très bien. On espère l'avoir un jour. Donc, on avait vu l'explosion. On va passer par là. Je sais pas trop où on va. J'ai l'impression que on se perd pas trop là. L'impression, après. Je peux me tromper, je vous l'accorde. On va sauter en face. Hop là. Ah, ça c'était pas prévu. Ça va, ça va. Tout va bien, tout va bien. Il faut qu'on aille là. Voilà. Et on va pouvoir passer par là. Ça va. Pour l'instant, ça se passe. Il va falloir qu'on saute. D'accord, on était en dessous là, tout à l'heure. Allez-y. Voilà. Tout ça pour passer par dessus. Celui-là. La petite barrière. Alors on pourrait essayer de jeter un truc comme ça. Vous voyez le porter et le jeter. Ah mais c'est ce qu'il va falloir faire là pour mettre le feu. Je suis en train de calculer. Regardez. Voilà. Bon, ça va peut-être attirer le monde, je sais pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah ben. Mais non. Mais s'il y a quelqu'un qui... Ah. C'est pas Jonah ? C'est Jonah ? Non, c'est pas Jonah. Non, 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 non. Bon, on repassera pour la discrétion et puis on s'est raté au niveau de la visée. Mais non, c'est pas Jonah, j'ai dit n'importe quoi. Bon, c'est mieux avec... Ouais, c'est mieux. C'est bien d'avoir une arme. Agios Prophétess. Ils l'ont capturé. Je crois que c'est trop tard pour lui là. Là. Matériel, le crochet est requis pour cette. D'accord, donc on peut ouvrir. Et par là. Là ça... Ouf, j'ai cru qu'on allait lui mettre un coup de piolet au bras qui est déjà mort tout à l'heure. Donc attendez, on a plusieurs armes. Ouais, c'est comme ça qu'on le choisit. Ok, ça. Et ça. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres armes. Mais... On va rester à l'arc pour l'instant qui est plus discret. Des munitions, c'est très bien. C'est ça. Voilà, on a 34 balles, donc ça va. Attendez, on peut... Il faut passer par là. Allez, continue à charger, regardez. Hop. Comment ça te présente? Pas sûr que je puisse stopper cette fuite. Si j'y arrive pas... Il va falloir qu'on sorte le conduit car on ait remplacé la main. Ça va pas être facile de trouver une bonne direction ici. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Ah! Doucement. Doucement. N'aie pas peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Ok.
Au secours ! S'il vous plaît ! Voilà. Eh bien nous on va s'arrêter là. Et on reprendra le let's play. Il va y avoir de l'animation, je le pense. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Petit au revoir à Lara et à très vite. Allez, ciao ciao.